Bonsoir et bienvenue sur ce 14e jour du Vlogtober. Je suis ravie de vous avoir avec moi tous les jours. J'avoue que j'aime bien cette dynamique, ces petits moments. Merci pour les gentils commentaires que vous laissez régulièrement, ça me fait énormément plaisir. Alors, ce soir je travaille, donc pareil, hein, aujourd'hui j'ai peu tricoté. J'ai fait des petits biscuits, des petits cookies pour le week-end. Je vais vous montrer là ce soir mon avancée du châle de Stephen West. Donc je suis clairement à la bourre, le deuxième indice est sorti et moi je pense que je suis pas à la moitié. C'est pas grave, de toute façon c'est toujours comme ça. Ma chaussette, je ne l'ai pas avancée. Je suis un petit peu à la ramasse question tricot, mais bon c'est la vraie vie, hein, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. J'ai des vacances la semaine prochaine, donc je vais en profiter. J'ai 2-3 petites choses à faire. Il faut que je prépare le colis pour la gagnante du cal que j'avais organisé Tricote ton gilet de l'été, donc le fil d'Arwen. Donc je ne t'oublie pas, je m'occupe de tout ça la semaine prochaine pendant mes vacances. Ensuite, je participe à un swat de chaussettes, enfin de chaussettes tricotées. Organisé par Labic sur Instagram. Donc Julie, on tricote, on fait un petit paquet, tricote une paire de chaussettes, pardon, et on fait un petit paquet pour notre swappé. Donc je vais m'y atteler également pendant mes vacances. Et puis je vais avancer un petit peu sur mes divers projets. Je n'ai pas commencé le test pour Audrey parce que ben, je voudrais avancer un petit peu le reste. Déjà finir cette paire de chaussettes-ci. Les chaussettes couleur citrouille. Donc là, il me reste la pointe à faire. J'ai fini la longueur, il faudra que je fasse la seconde.
Je pense que si je m'y attelle correctement, j'aurai le temps de le faire rapidement. Ensuite, je voudrais avancer. Il faudrait que j'avance. Enfin, après, il n'y a pas d'urgence, hein. J'ai pas d'impératif sur le pull velvet, ça c'est pour moi. Mais j'avoue que j'ai envie de le porter. Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre? Et puis mon châle, enfin voilà, mon châle, ce serait bien que j'avance un petit peu le MK. Voilà, si j'ai pas l'occasion de vous reprendre, ça sera un épisode un petit peu court, mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, je vous retrouve demain. Alors, spoiler. Si vous ne voulez pas voir le premier indice de Stéphane West, 200 MK 2022, je vous conseille d'arrêter là. Sinon, voici à quoi ressemble mon début d'indice. Voilà, donc c'est un jeu de rayures avec les deux couleurs principales, certaines en point mousse, d'autres en jersey, et là on fait des petits boudins. Et ces petits boudins, après on vient les tresser. Enfin, on vient les tresser, on vient les tortiller et ça donne, je vais vous montrer sur 2, 3. Alors, je le fais à l'arrache, hein, mais ça donne un effet tressé, c'est super ingénieux et ça rend hyper bien. J'avais jamais vu ça, mais en plus, c'est tout bête à faire. Ça me plaît beaucoup. Bon, j'en ai fait que juste un petit peu pour vous montrer. Je vous montre pas le bon endroit. Voilà, vous voyez? Bon, j'ai pas fait tout le long, mais ça fait un effet de tressé comme ça. C'est sympa, hein? Voilà, donc après, on fait ça sur cette rangée de boudins, celle-ci, enfin tout le long, quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup, mon vert et gris, c'est pas mal. Par contre, j'ai un petit doute sur mon blanc depuis le début. Je sais pas si je partirai pas sur un. J'ai un vieux rose, peut-être que ça mettrait un peu plus de peps que le blanc. J'ai peur que ça fasse tristoun. Je vais finir déjà cet indice. Après, je vais voir avec l'indice 2. J'ai pas regardé encore ce que c'était. Je pense qu'on doit utiliser la couleur à un moment donné. Donc, on ne l'utilise pas là. Dans le 2, ça doit être utilisé. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Je vais tester. Maintenant que j'ai tricoté un petit peu, je vais mettre 2-3 échevaux que j'ai dans les tons de rose. Ouais, alors j'ai un vieux rose et j'ai un. Hein, qui tire plus sur le rouge, peut-être ça peut être sympa aussi, il faut que j'essaye. Voilà, donc je regarderai ça peut-être demain à la lumière du jour, parce que là, avec les lumières artificielles, ça fausse et ça sera plus parlant en plein après-midi, je pense. Ce coup-ci, je vous dis à demain.